Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer une table de données, donc on va appeler la table client hein, pour l'exemple, dans une base de données qui s'appelle Ma Banque. Alors dans cette table client, on va créer trois informations, on va pouvoir enregistrer trois informations pour chaque client. La première, ça va être un identifiant, donc une clé primaire pour chacun de nos clients pour pouvoir les distinguer. Et après, on va stocker leurs noms et leurs emails. Pour simplifier, on va dire qu'ils font une centaine de 100 caractères au maximum, tous les deux. Donc on a trois informations à stocker dans une table qui s'appelle client, et cette table, il faut la stocker dans une base de données qui s'appelle Ma Banque. Alors là, je suis connecté au serveur de base de données. Je vais me placer sur la base de données qui s'appelle Ma Banque. Donc voilà, ici on voit qu'on est bien en train de travailler avec ma banque. On va regarder la liste des tables qui sont à l'intérieur de cette base de données. Donc un petit set, donc actuellement on n'a aucune table. Donc nous on va créer notre table. Alors pour faire ça, donc on fait un create table. Après il faut nommer la table. Donc ici elle s'appelle client. Et ensuite on va ouvrir une parenthèse pour mettre chaque information qu'on désire souhaiter dans cette table. Alors on va aller à la ligne, hein. Quand on est avec MariaDB, le fait d'aller à la ligne, ça ne valide pas la commande, hein. Ce qui finit la commande, c'est le point-virgule. Donc là, le prompt, l'invite, c'est un prompt qui dit il faut continuer à saisir la suite de la commande. Donc là, on va dire que c'est ID client, notre champ d'information, il faut le typer. On va dire que c'est int. Et comme c'est un champ un peu spécial, on a la possibilité de dire auto-incrément. Et donc là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que MariaDB se débrouillera pour donner la valeur de ce champ, et sachant qu'il sera toujours différent, quel que soit le client. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est ce qu'on veut, hein. Alors après, donc on fait un entrée, voilà, j'ai bien mis une virgule à la fin de la ligne. Après, on avait le nom, donc 100 caractères au maximum, donc varchar 200, c'est le type, virgule pour passer, parce que j'ai encore une autre information à mettre. Après, on a dit qu'on avait l'email aussi, donc varchar 200, et là, une virgule, on va encore préciser quelque chose, que notre clé primaire, c'est ID client. Donc, primary key, et là, on va préciser entre parenthèses le nom de cette clé. Donc, ça doit être un champ qui existe déjà. Donc, c'est voilà, on a ID client ici. Alors ici, je mets pas de point-virgule parce que j'ai ces quatre informations qui sont intéressantes pour la création de la table. Il va falloir que je ferme cette parenthèse-là. Voilà. Ici, je vais préciser le moteur de base de données qu'on utilise pour gérer cette table. Et donc, on va dire que c'est InnoDB. Voilà. Donc, c'est un moteur de base de données qui est intéressant à utiliser pour respecter toutes les contraintes, clés primaires, clés étrangères. Donc là, j'ai mis mon point-virgule de fin Alors là, j'ai une erreur. Alors voilà, j'ai fait une faute de gros doigt. J'ai mis varchar ici. Alors on va re-rentrer la commande. Donc là, j'utilise l'historique avec les flèches. Je re-rentre. Hein. Je remonte dans les commandes. Donc là, je mets create table. Ici, il faut que j'aille récupérer ID auto-incrément. Ici, je récupère la ligne varchar qui est bonne. Ici, voilà. Donc là, je vais dans la ligne. Je fais la correction. Varchar, voilà. Je fais entrée, je récupère la ligne qui me dit que la clé primaire, voilà, et je récupère la dernière ligne InnoDB. Donc là, je refais, voilà, donc la query OK, donc la commande s'est bien déroulée. Alors, on va quand même regarder si tout à l'heure on avait regardé avec Show Tables, si cette table a bien été créée parmi nos tables de base de données. Donc là, on est content, il y a la table client, donc tout va bien. Après, si on cherche à voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette table, donc select étoile from client, donc ben voilà, empty set, il n'y a aucun client.
Plus tard, une fois, après avoir utilisé ma base de données, si un jour je me dis, ouais, mais qu'est-ce que j'ai dans ma table client? Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme information? Donc, une manière de faire, c'est on peut faire un describe de client. Là, ça nous redonne qu'il y a 4 champs d'informations. Ça nous redonne leur type. Le fait, est-ce qu'ils peuvent avoir la valeur nulle ou pas? Donc, est-ce qu'on est obligé de leur donner une valeur? Bah, pour l'ID client, c'est obligatoire parce que c'est une clé primaire. Voilà. Et en plus, c'est un champ qui est auto-incrémenté. Et on peut aussi, si on le désire, faire un show create table donc client qui va nous montrer donc show create table client qui va nous montrer donc comment faire pour recréer la table client. Donc bah, arrivé à ce stade, donc on a bien notre table client dans notre base de données ma banque. On a réussi notre mission, donc tout est parfait. Donc, bah sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.